pouvoir de Philippe Premier ministre, SDF ne le croit pas. Ce lundi 5 février, Édouard Philippe accompagne le SAMU social lors d'une maraude. Et le Premier ministre a fait sensation. Édouard Philippe souffre-t-il toujours d'un manque de notoriété? Il semblerait bien. Ce lundi 5 février, le Premier ministre accompagnait le SAMU social pour une maraude dans les rues de Paris. Alors qu'il passait boulevard de l'hôpital dans le 13e arrondissement, l'équipe du SAMU social s'est arrêtée pour parler avec deux sans-abris, raconte RTL. Patrice, l'un d'eux, interpelle alors Édouard Philippe. « Mais vous monsieur, vous êtes qui ?» lui demande-t-il. « Je suis le Premier ministre », répond l'intéressé. « Non, je vous crois pas. Montrez-moi votre carte, t'es Premier ministre, n'importe quoi. » Plus tard dans la soirée du 5 février, Édouard Philippe dialogue avec un groupe de sans-abri, près de la gare d'Austerlitz. Le jeune avec qui j'ai discuté, il a bac 2, il a des diplômes d'électricité, mais il ne veut pas repartir en Roumanie, il veut rester là, explique le Premier ministre. Y compris en dormant sous la tente. Ils veulent du logement, mais du logement d'urgence ça ne les intéresse pas, même quand il fait froid. Manifestement chamboulé par cette maraude, Édouard Philippe admet qu'il est important à intervalles réguliers de voir, de rencontrer, d'échanger et puis d'apprendre.